les petites rondeaux, peinards. Où le nid a été trouvé. Ah, alors d'accord. Ça c'est Gino, l'autre oula, papa de oula, la nurserie. Oula. Donc Gino, je lui ai demandé s'il y avait une naissance, il m'a dit que oui, parce qu'ils en relâchent tous les jours. Et donc, c'est la nevera que tu nous vas enseigner, quanto huevo hay? No, ya no hay huevo, ya lo que hay es... Tortuga. Pero quanto huevo había? Ah, tenía 173, la que nous enseñaron hace como 3 110. Días. Alors, là il va nous montrer une glacière où il y avait 110 œufs. ¿Y cuánto nacieron? Nacieron 75. 75. Oh. Alors, vous pouvez faire des photos sans flash. Alors, dans et chaque glacière, vous avez... Vous avez le nombre de tortues. Alors là, il en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 ici, c'est carré. C'est qui a de plus. C'est ça. Carré. D'accord, c'est plus nombreux ici. Il y a aussi verte. Il y a des gens qui les aident en achetant des produits, en laissant un pourboire, et tu as des associations qui rentrent en contact directement avec eux. D'accord. Parce que normalement, les gens de la réserve naturelle devraient les aider. Ben oui. Et bon, vous avez compris ce que je pense. Hein. D'accord. Voilà. 170, c'est quelques. 170 tortues. Ils en ont eu de 220. Et donc, la première fois qu'ils pondent, en fait. La première année qu'ils vont pondre, elles vont pondre 3 fois, mais à 15 jours d'intervalle. Et après de 2 ans, elles ne pondent plus. Exactement. Donc, toute la ave qui passe par le jour, que le cangrejo, cualquier ave se come un animalito eso. Parce que même les, il est en train de me dire que même les crabes mangent les tortues. Donc, quand c'est dans le milieu naturel, il n'y a même pas 50% qui survivent. Voilà. Et alors, les petites tortues comme ça, en fait, elles se laissent envelopper par les méduses et les tortues mangent à l'intérieur. Eh ouais, elles s'alimentent comme ça. C'est dingue, hein? Si vous connaissez les brèmes, vous obtenez la liberté. Quand oui. Et ici, 4 drapeaux. Ok? Mais sans bouclier, les 4 drapeaux, ici au milieu. Ok? C'est ici le trophée et c'est la croix. Le trophée. Salut tout le monde! Bien, ¿y ustedes? Estamos bien, gracias a Dios. Amén. Mira, me están preguntando, ¿cómo ustedes saben que eso está...?
c'est vraiment costaud. C'est grand. C'est pas la première du cinéma, le film. Ah, je pense que c'est aussi vraiment important que vous, nos visitants, d'avoir un peu d'intérêt et venir connaître ça avec nous. Comme ça, vous pouvez reproduire l'histoire, montrer, expliquer aux enfants, les voisins, hein, et envoyer un message positif sur la protection à la nature, l'environnement. Vous voyez? Et les cavernes, les grottes comme ça, étaient pour se protéger, surtout pour se protéger contre les cyclones et les tempêtes, parce qu'on a toute une histoire, vous voyez, c'est une petite île, on a eu des choses comme ça. Et pour faire la danse, les cérémonies et tout ça, les rituels. À l'entrée de la cueva Chicho 3. Oui! Non, mi amor, yo me imagino. Mamá, solo la foto. No, soy yo. Chez nous, chaque année, au mois de juin, la saison, non, ça va. La saison des mangues va de mai à novembre. Et au mois de juin, dans la ville, dans la province qu'on appelle Neiva, on célèbre Expo Mango. Expo Mango. Cette année, ils sont présentés dans ce Expo Mango-là 115 variétés différentes de mangues. Il y a beaucoup qui sont importés, mais cultivés chez nous. Mais original de l'île, 60. Si les graines sont rouges, ça signifie que le café il est mûr à cuire. Bon. Observez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On fait pareil que le cacao. On fait sécher, on pile, on fait griller et on mou. On vient nous les vendre en graines. Observez. Il faut les faire sécher pour piler, enlever la peau. Parce qu'il y a deux moyens, deux petites moitiés dedans. Des petites graines. Observez. Uno et dos. Vous voyez? C'est pas une blague. Ah, monsieur, dame, regardez ici, s'il vous plaît. Comme les bâtons de réglisse. Nous, vous faites directement avec vos dents. Hein? Mais ici, on a des petites machines, vous voyez? Et voyez où les jus tombent. Ça, c'est magnifique. Incroyable. Ou bien, si on est par là, on n'a rien à faire. On laisse par terre, biodégradable. De la... Ça part là, non, bon. Ça, la peau. C'est qui veut essayer la peau? Oui, c'est ça. Mmh. C'est de la... Hop, hop. Oh putain, ça fait peur. Ah, c'est bien si lourd. Oh, oui. Levez les bras, levez les bras. Faut lever les bras. Faut lever. Ouais, s'il vous plaît. Recevez papa. T'inquiète, ça va le faire. Ah, bah oui, je suis obligé. Thank you.
solo te reclamo tu traición. Palestina, te la voy a decir. Te voy a negar el odio, llame con locura. Y daba hasta la vida por ti. Por sumiso, tus maldades viví. Sí. Significas nada para mí. ¿De qué forma te lo voy a decir? Te conozco, tú no quieres a nadie. Egoísta, tú no tienes nada que buscar. Vas a adorar todo junto. Gracias. De Francia. De Francia. Okay. Gracias. De Francia para la escuela Manu Juan. Sí. La sauna. Muchas gracias. Okay. De nada. Okay. Les moustiques. Quoi? Les moustiques. Ah. On va pas trouver le serpent là-dedans. C'est pas mal, qu'est-ce qu'on dit hein? Moi, je dis qu'on est bien, hein. Je dis que, franchement... Il y a pire. Il y a pire. Tienes nada que buscar aquí. Prometes lo que